Premier problème. Attends, je vais couper. Ça fait peur, hein? Ouais, ça fait peur. Allumez, ça va se barrer. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, c'est trop bon. En plus, en ce moment, il fait chaud et on n'arrive pas très bien à dormir, mais c'est pas grave. Voilà, cette vidéo est la dernière où on est ici. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est lundi. On a beaucoup rangé, fait des tours de déchetterie. J'ai commencé à faire une remorque de ferraille, vous avez vu sur Insta. Et le marchand de ferraille, il était fermé en vacances. Bon, ben, c'est pas grave, on fera ça après en revenant, après notre tour de Bretagne. Et voilà, j'ai enlevé mon petit atelier éphémère, il est plus là. J'ai essayé de prendre ce qu'il fallait dans le camion. Donc j'ai pas mal de stock d'outils, enfin de plein de choses dans l'armoire que j'ai pris un petit peu à droite, un petit peu à gauche. J'ai fait des caisses. J'essaie vraiment de prendre l'essentiel, ce qu'il faut pour la route, si jamais on a une panne, si jamais on a un souci. Sachant qu'on revient ici dans 2-3 semaines pour redescendre après dans les Pyrénées. Ça va pouvoir me permettre de voir s'il me manque des choses dans le camion ou s'il y a des choses que j'ai pris en superflu. Mais ça va, je pense qu'on a, je pense qu'en tout on a 400 kilos avec l'Arios. C'est pas non plus, on n'a pas non plus une tonne quoi. Voilà, Il me reste une barre de renfort à mettre, je vais vous la montrer. Voilà, il me reste ça à mettre, c'est un renfort que j'ai prévu pour mettre sur le châssis. Bougez pas, je vais vous faire voir à quoi ça va servir, je peux vous expliquer vite fait. Ça va être posé sur le châssis et vissé avec des caoutchoucs. Et voilà, ça va maintenir par le dessus mes deux coffres avant, de gauche à droite. Voilà, c'est une mesure de sécurité supplémentaire pour éviter que ça tombe, même si normalement ça devrait pas tomber. C'est vraiment pour être sûr. Ça viendra... Normalement, ça viendra, si j'arrache pas mes fils électriques, voilà, ça viendra. Voilà. Ça vient comme ça, pile poil. Alors, voilà ce que ça donne, ce petit renfort que j'ai fait. Il est légèrement courbé, en plus, dans le bon sens, ce qui fait que bah, il va forcer, en fait, vers le haut, les coffres. Voilà, bien entendu, c'est pas ça qui tient les coffres, on est bien d'accord. Hein. C'est vraiment une sécurité supplémentaire, au cas où. Là, vous pouvez voir mon coffre avec les caisses à outils, tout ça. Et regardez, quand vous devez prendre une caisse, en fait, il faut tout sortir. À chaque fois, c'est comme ça. Mais là, il n'y a pas le choix. Je ne peux pas me permettre d'avoir des outils que je peux sortir comme ça librement. Je suis obligé de tout enlever et je cale tout avec les hamacs, la slake et tout pour éviter que ça tape de trop. Là, c'est pareil, c'est le coffre arrière droit. C'est tout ce qui est les visseries, les outils électroportatifs. J'ai pris vraiment le strict nécessaire. Hein, meuleuse, visseuse, scie sauteuse. Perceuse sans fil et c'est tout. Petit chalumeau, des vis en stock, voilà, mètre, crayon, tout ce qu'il faut pour bricoler. La caisse électrique, la caisse plomberie, la batterie là-bas pour faire fonctionner mon treuil pour la moto et quelques boîtes avec des outils de dépannage, on va dire. Oh, je me réfugie ici. Ah la vache, il commence à pleuvoir, on n'était pas habitué. Hein. Voilà, j'en profite pour faire ma petite pause déjeuner et j'en profite aussi pour vous dire que la vidéo est sponsorisée par YFood. Voilà, les petits substituts de repas qu'on prend, pas quotidiennement, mais moi j'en prends peut-être 3-4 dans la semaine, ça dépend, au petit déjeuner ou alors au goûter. Et vraiment, si j'ai pas le choix et qu'on a trop de boulot, qu'on a trop de trucs à faire, bah, même sur les coups de midi, entre midi et deux, j'en prends. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à en avoir commandé et à être contents. Donc j'étais assez étonné et du coup je suis content de vous avoir fait découvrir ces petites boissons, ces substituts de repas, voilà. Comme j'avais déjà expliqué, c'est pas une boisson énergisante, c'est pas une boisson protéinée, c'est vraiment un substitut de repas quand vraiment vous n'avez pas le temps. Ça ne remplace pas un repas que vous allez manger, que vous allez prendre du temps à faire à cuisiner. Ça ne remplacera jamais un vrai repas, bien entendu. Par contre, niveau nutriments, vitamines et tout ce qui va avec, ça remplace complètement un repas. Voilà, quand vraiment vous n'avez pas le temps. Donc là, comme il pleut, il est environ 10h30. Je vais faire ma petite pause YFood. Là, c'est chocolat et j'ai goûté banane. Bah, banane, c'est étonnant. Parce que moi qui n'aime pas la banane, bah, j'en ai bu.
Je crois qu'on a toujours le code promo qui est actif. Je vais voir ça et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez droit à des réductions si jamais vous allez commander les produits Y-Food. Sachez que vous avez les petites bouteilles avec pas mal de goûts, vous avez les poudres, vous avez les barres, voilà. Il y a pas mal de choses et ça commence à être assez populaire. Hein. Donc là, vous pouvez voir ici, c'est la petite tente qu'on a rachetée. Ça va être une petite tente de stockage quand on sera sur notre terrain. Et elle était pleine jusqu'ici, la chambre. Voilà. On a réussi à tout vider. Et là où il y a l'appareil photo, on a encore 2-3 bricoles. Mais voilà, la tente, elle est quasiment vide. Tout ce qui est ici, ça va partir. Même ça, d'ailleurs. Il y a un bandit qui va venir mardi matin. Bah, pour tout récupérer. J'ai dit, allez, on va faire un heureux. Il va tout récupérer en une seule fois. On aurait pu distribuer à plusieurs personnes. Mais bon, c'est pas évident, quoi. Donc, du coup, il va venir. Et lui, je pense qu'il va... Il va garder des choses pour lui, peut-être qu'il donnera des rollers à des enfants, la petite draisienne, peut-être qu'il va la donner à un enfant dans sa famille, ça va faire des heureux, de toute façon, ça fera des heureux. Voilà, il y a pas mal de petites bricoles, il y a même des trucs de cuisine, il y a des après-ski, une tablette pour refroidir les PC, enfin voilà, et j'ai encore plein de trucs de bricoles, centrale peinture, il y a un pistolet peinture, il y a pas mal de trucs, de la visserie, des boulons, des écrous, moi depuis des années que j'accumule, je peux pas partir avec tout bien entendu. Donc voilà, on va en donner, au moins ça fera des heureux. Avant de la fermer, on vous la montre. Hop, 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 regardez le bazar. Bon, tout ça, c'est ce qui va servir au terrain. Hein. Surtout, il y a 2-3 choses qu'on risquerait de reprendre. Mais sinon, c'est tout. Quoi. Là, on va la garer mieux. Et la voiture est pleine aussi. Voilà. Et je vous fais une petite présentation du camion. Attention. C'est vrai qu'il fait chaud, hein. Mais on est bien dans votre camping-car. Regarde, bah, c'est joli, c'est lumineux. C'est lumineux, c'est wow. Clair, c'est aéré. Beau. la tapisserie, elle est aussi blanche que toi. On en reparlera dans quelques semaines. Ça va pas, bronzer un peu les ch'tis, ça va pas, toi. On en reparlera dans quelques semaines. Ça va pas trop, ça. Hein. Allez, nous, on mange. Merci, Laetitia, pour ce petit repas. Hein. Avec plaisir. Ouais, merci. C'est Laetitia qui nous a nourri ce midi. Ouais. J'ai mis au moins 2 heures à accrocher la moto, ça va pas. Faut vraiment que je trouve des astuces pour gagner, ouais. Gagner du temps. Ça va le faire, tu vas le faire 2-3 fois. On a réussi à encore, mettre les 6 sièges sur le porte-moto, les 6 fauteuils. Ouais. Bah, je savais pas où les mettre. On les a mis sur le porte-moto, les fauteuils pour s'asseoir. Okay. Bah, ils sont trop bien, là. Tu les vois même pas. Mais tu vas en faire quoi? Bah quand tu t'assois pour manger, il faut bien un fauteuil. Ah, les sièges de camping. Oh là là là, faut que tu arrêtes de traîner avec Laetitia, quoi. C'est bon. Je comprends rien. C'est bon, j'ai envie d'arrêter de filmer, là. Charlotte qui fait du 4x4. Oh, c'est quoi qui pendouille là-bas? Hein, c'est les lanières de mon échelle. Ah mince. Elle pendouille, t'as vu? Ouais, quand ils mettent un tendeur. Camion des champs là. I like happy songs, but I don't know how to write them. Oh, j'ai du mal à regarder mon écran, je regarde le camion en vrai tellement il est beau. Tellement je le kiffe.
Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Attention les enfants, je vais faire un geste. Je vais faire un geste symbolique. À partir de ce geste, nous allons devenir officiellement nomades. Nomadaires. Oh, le bonheur. En route. En route, mes loulous. Je me rends pas compte. C'est content que tu as trouvé tes lunettes. Ouais, je me rends pas compte. C'est trop de bonheur. On verra quand on revient. On ne verra pas ici pendant 2-3 jours en fait. Parce que des fois on s'en va 2-3 jours, mais on revient toujours. Mais là on ne reviendra pas. À part dans dans 3 semaines, 1 mois quoi. Mais pas pour longtemps. Allez, en route. On va pas rouler longtemps parce que moi je suis fatigué. Demain, ah ouais. Je fais une grasse mal. De ouf. Ah ouais. Ah ouais. Jusqu'à midi, je fais une grasse mat. Oh bah donc. Allez, c'est parti. Allez, go. Et on sait même pas où est-ce qu'on va. Le Mans, Alençon, Rouen. Ah ok, d'accord. Allez. Le vent nous guidera. Bah, t'as ton montage à faire aussi. Non, tu veux dire l'eau. Allez, bisous à tous. Ouais, bisous à tous. Premier problème. Attends, je vais couper. Ça fait peur, hein. Ah, ça fait peur, hein. Allumette, un raccordeur du siège de Charlotte qui s'est débranché. Non, il s'est pas débranché, ça fait peur. Je vais aller jeter un œil, on a l'impression qu'il a pété, quoi, ouais. Le raccord. Je regarde si j'ai un raccord. C'est bon, j'en ai. C'est ça qui a pété. On va le changer directement parce que si ça repète et que je suis en train de rouler, admettons à 70, j'ai pas beaucoup de temps pour m'arrêter parce que ça me vide mes bouteilles et après mes freins ils se bloquent automatiquement, c'est une sécurité sur les poignets. Donc faut pas déconner avec ça. Du coup, heureusement que je vais aller acheter des vrais raccords. Du coup, heureusement qu'on s'est arrêté, parce que là on s'est arrêté pour mettre du gasoil. Bah ouais, heureusement. On était à, je sais pas, à 5 à l'heure quoi. C'est heureusement. Le raccord qui s'est desserti de lui-même en fait. Je suis trop grosse. J'ai trop sauté sur la bosse. Donc on se dépêche parce qu'on est en plein sur la. Ouais, sur l'entrée du gasoil, ouais. De la station essence. Ouais. Bah, t'attends quoi pour te dépêcher là en fait? Et on en met dans ces petits coffres. J'avoue, t'as bien chargé, hein. T'as bien. C'est pas bien chargé, c'est. Bien rangé. Bien rangé, ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Oh, tous les oiseaux, regardez. Ils nous soutiennent, ils sont venus nous soutenir. Voilà, donc vous voyez, vous tirez comme ça et ça s'enlève. Et en fait, c'est l'aluminium qui s'est complètement desserti. Donc je pourrais l'enlever et essayer de le recoller, pourquoi pas. J'en remets un quand même par sécurité, un tout neuf. Mais ouais, c'est des raccords en fait chez Amazon et j'ai l'impression que c'est un peu de la crotte. Voilà. Après, c'est le problème, c'est qu'il y a l'allumette qui est là. C'est ça, elle est trop lourde. On va lui remettre son petit panier là. Voilà, allez hop, on est reparti. Bon, on attend que ça recharge en air. Dès qu'on commence à remonter, c'est que c'est bon. Voilà, ça y est. J'ai envie de dire, ça fait peur. Hein. Ah, ça a pété. Hein. Oh, je vois, c'est quoi ce truc? Direct, j'ai entendu que c'était là. Tout de suite, j'ai vu que c'était là. Mais sur le coup, je me suis dit, oh là là, t'imagines, on a un truc qui pète au niveau du moteur. Allez, on repart. Non, allumette, elle veut plus aller à son panier. Hein. Tu m'étonnes, elle va plus. Ah vache. Vous voyez les poils du panier allumette. Bah après, c'est bien que ce soit toi qui aies tout rangé, quoi. Comme c'est ça, bon, tu sais camion, où c'est. Avec la Réos, avec le coffre de toit, et il est chargé. On a beaucoup plus de ballon au niveau de la cabine, les suspensions devant sont beaucoup plus souples et il a maintenant des vraies réactions de camion quoi, c'est vraiment souple, faut pas s'amuser à zigzaguer, enfin, voilà. On sent que la cabine elle s'en va de droite à gauche tout ça, mais il tient bien la route, il n'y a aucun souci. Voilà, là on ressent vraiment la conduite d'un camion qui a un petit peu de ballon. Et ça va, ça fait, franchement ça fait. Là on a gagné en confort, un truc de fou. Ah ouais. C'est faire arrêter par devant lui. Qui tu es? Je suis content, il pousse depuis très longtemps. Ah, c'est génial. Vous êtes super, continuez comme ça. Merci. Excellent.
m'élance, ouais, j'ai pas tes chevaux. Bon, et bien voilà, la vidéo va se terminer. Il est quelle heure, chouchou? 1h43, on a croisé du monde sur le Mans quand on s'arrêtait pour manger. Du coup, on a traîné. Et là, on est posé entre Alençon et Rouen. Voilà, entre Alençon et Rouen, on est à 20 bornes d'Alençon en direction de Rouen. Et on va aller se coucher. Notre première nuit sur la route, retrouver des spots. Hein, chouchou? Retrouver des spots, se recaler quand c'est pas de niveau, parce que nous on aime bien dormir de niveau, attention, on a un camion 4x4, nous on aime bien être de niveau pour dormir. Et voilà, on a fermé toutes les clés, on a regardé si rien ne s'était détaché. Et j'ai dit quoi? On a fermé toutes les clés. On a fermé toutes les serrures à clé. Ouais, je suis fatigué. Moi je vous dis. Il a roulé 30 minutes, il est mort. Non, dis pas ça. Attends, tu rigoles, ils vont croire que c'est vrai. La vidéo, là, vous avez vu, elle arrivait une journée en retard. Mais je pouvais pas. Je pouvais tout simplement pas faire le montage. J'arrivais pas, trop fatigué. Voilà, là, on va pouvoir reprendre un bon rythme. Sortir les vidéos en temps et en heure. Se reposer un peu, prendre du bon temps et ça va faire du bien. Voilà, je vous donne... On vous donne rendez-vous vendredi pour la nouvelle vidéo où on sera chez le Gaulois. Gros bisous à tous. Bye bye. Prenez soin de vous.